Salut YouTube, je suis Suzucube et vous savez qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui comme jeu? Ça fait depuis ce matin que moi je veux vous faire vraiment un let's play dessus. Donc au final, ça va arriver en retard. Il y a eu let's play, j'ai pas pu résister. J'ai reçu Smash Bros entre-temps. Alors évidemment, je vous laisse deviner que forcément, qui dit Smash Bros dit Suzucube qui joue pendant 1 heure à Smash Bros. Ça va être le let's play juste après celui-là, parce que je pense que je vais d'abord mettre ce let's play là, et après celui de Smash Bros. Donc, Quakamelee 2, c'est un jeu que j'avais déjà sur PS Vita. Enfin, pas le 2, le 1. Et du coup, je regarde vite fait. Oh, on peut jouer à 2, ça c'est cool. On a des succès, et on peut commencer le jeu directement. Alors, ce que j'avais adoré dans le premier jeu, c'est assez simple. Ah, c'est rigolo ça. C'était le fait de pouvoir jouer en poule, quoi. Ah oui, c'est Guacamelee. Juan, par ici. Kalaka a capturé Lupita. Il est sur le point de fusionner le monde des vivants et des morts. Ce sera pas simple, même si tu es dans la fleur de l'âge. T'inquiète pas, Juan, tu peux le faire. What? Je crois qu'on a eu des différends, mais je crois en toi, amigo. J'avais terminé pourtant le jeu. Ah oui, je me souviens. Comment oses-tu m'interrompre? Tes mots sont aussi vite que ton âme. Tu n'es pas le genre de sauveur que l'humanité a besoin. Qu'est-ce qu'un luchador? Un minable petit tas de secrets. Bah, c'est parler en garde. Oh putain, c'est trop bien d'avoir ce jeu sur Switch. Normalement, il y a moyen de faire. Ah oui, c'est les coups de pied, les coups de poing. Même plus de tuto maintenant. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'animation. Le tout est beaucoup plus fluide en fait. Bon, on commence par le boss mais en mode light. Hein. Ouf, ouf. Luchador. Tu as de la chance que j'ai dépensé toute mon énergie pour le rituel. Mais tu arrives trop tard, le soleil noir est déjà là. Viens contempler la fusion des deux mondes et le début de mon nouvel ordre mondial. Je me rappelle pas que ça terminait comme ça. Ah, le pouvoir, je le sens qui coule en moi. Ah, regardez, je suis Kalaka, dieu des morts et des vivants, tremblé sur mon règne. Et ça, je me souviens. Et chaque fois que t'avais un combat de boss, t'avais ce petit. Ouais, tu pouvais renvoyer les éléments sur lui. Et ça lui faisait bien mal. J'adore ce petit rappel. Normalement, tu peux, hop, les attraper et les balancer bien sur sa tête. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà, et bien mettre vers sa tête. Guacamelee 2, on n'a pas trop entendu parler, curieusement. Le premier, quand il est sorti, ouais. Le deuxième, il a eu moins de succès. Je sais pas trop pourquoi. Après, moi-même, j'avoue que c'est sa sortie Switch là qui me fait y jouer et en reparler, mais. J'adore les graphismes. C'est les mêmes développeurs qu'ont fait Severed aussi, qui est aussi beau d'ailleurs graphiquement. Mais j'ai un peu moins aimé Severed, il est un peu particulier avec le tactile. Je me rappelle sur ma PS Vita, j'avais pas super kiffé. Je sais qu'il est ressorti sur Switch, mais du coup, ça m'a pas tenté plus que ça. T'as pas eu une tête de héros, lui.
C'est tellement beau. En fait, j'adore le style graphique de ce jeu. Des trucs tout en vecteur comme ça, c'est. Comme Peon Ruan. Ouais, d'accord. Vraiment, le mec, il ressemble plus à rien, quoi. Papa, tu regardes encore tes photos? Viens jouer avec moi. Putain, c'est super fluide. Alors, j'enregistre en 30 FPS, mais le jeu est bien en 60 FPS. Hein. 7 ans plus tard. Les effets de lumière et tout là autour des lampes, ça c'est magnifique. Ah, il y a ce jeu-là avec le blob dans l'espace. Je l'avais sur PS Vita. La poule, elle polo. Ou la licorne, je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Ben, la femme, elle ressemble à Séverine, hein, maintenant que j'y pense. Hein. Je crois que ça s'appelle un blob et son blob. Je ne rappelle même plus comment il s'appelle ce jeu-là. C'est toi, t'as vu les enfants? Ri. Je suppose que je vais devoir manger toute la glace moi-même. Je crois qu'il me provoque. On va aller voir. Je pourrais vraiment manger toute la glace. Je suis une tomate, chute. Tout va bien. Non, pourquoi ils m'ont fait venir là? C'est pour rien faire. Ouais, hop. Putain. Il y a une espèce de lag parce que je suis gros. Moi. Elles seront bientôt prêtes. Espérante, Juanito, descendez de la table. Oh non, on n'a plus d'avocat. Votre père a dû tous les manger. Ouais, le machin encore vert. Pourrais-tu aller chercher? Je dois finir ma dissertation. Appuyez sur moins pour voir la carte. Ok, donc là, c'est ma première mission. Waouh, putain, mais c'est tellement plus beau que le premier épisode. C'est ouf. Putain, je suis sur le cul. J'ai jamais vu de vidéo du jeu en fait. En fait, il y a du parallaxe et tout. Oh putain, c'est génial. Le travail de ouf qu'ils ont fait. Oh. C'est juste magnifique. Hé, les poulets! Je me transforme en poulet d'ailleurs. C'est Juan, notre héros, je me souviens. Viens dîner dans mon restaurant un jour, je m'occuperai de toi et t'auras un panachou gratuit. Ah, cette musique. Bon, hop, avec moi, c'est normal, on voit où on doit aller. Je vais aller encore plus loin pour chercher mon avocat. Ah, c'est la statue de moi. Ah, Juan, le vieux héros, se secoue enfin les plumes. Je ne t'ai pas vu courir depuis l'alerte à la tortilla. Comment va la famille? Des avocats? Tu ferais bien de te dépêcher, j'ai vu Frey aïe aïe rôder près du marché, il avait l'air d'avoir faim. J'ai l'impression que c'était hier quand toi et moi nous étions vivos et qu'on a vécu et que tu as vaincu Kalaka, les choses ont changé, mi amigo. Ouais, maintenant moi je cherche des putains d'avocats. Je peux pas rentrer dedans. Je suppose que c'est encore un peu plus loin. Ah non. C'est là les avocats? Ah non, c'est là. Juan, tu cherches les avocats? Frère, ils ont tous lâché aujourd'hui, désolé. Peut-être tu devrais aller le voir dans l'église. Ok, mon gars. Oh, Juan, ça te dit les avocats? J'en avais un tonneau plein tout à l'heure, mais il ne m'en reste presque plus. Je te propose un truc. Débarrasse-moi de ce tonneau vide et je t'en donnerai quelques-uns de ma réserve personnelle. Désolé, je pensais que ce serait plus facile. Voilà pour toi. Ah, caramba, c'était quoi ça? Tu peux aller voir ce qui se passe? Putain, mais genre, je suis ton bouffon ou quoi? Ces étranges trucs noirs viennent d'apparaître. Aïe, non. Juan, une de ces choses noires est sur la statue de la ville.
Esqueleto, sauve-nous, Juan. C'est toujours aussi bon, hein, le côté beat'em all là. Vientas, Juan. Désolé pour les squelettes, je t'ai enfin trouvé. Nous devons vite voyager dans la dimension sombre vers le Mexiver, cours tout droit vers un grand danger. S'il te plaît, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Saute dans ce portail, je te rejoins de l'autre côté. Je pense que tu devrais y aller dès qu'ils ont vraiment besoin de toi. On va se débrouiller sans toi. Papa, tu as cassé un squelette. Apporte-moi un alibridge, papa. Juan, sois prudent. Ok. C'est complètement barré comme jeu. La dimension des ombres. Hein. Oh non, ce n'est pas ça. On dirait qu'on est à mi-chemin comme dans une sorte de purgatoire. Ce n'est certainement pas la dimension sombre. Ah bon, ça ne peut pas être bien loin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On dirait Limbo. Con, putain. Cette parodie, putain, c'est génial. C'est dans ouais, si c'est dans Limbo qu'il y a l'araignée. Oui. Triple dragon. Hoche t'as doucement la tête. Qu'est-ce que c'est que cette merde? El Presidente a été kidnappé par des ninjas. Es-tu un hombre suffisamment viril pour sauver? Ah non, allez, viens, on peut pas se laisser distraire. C'est la dimension pénombre, pas la dimension sombre. Désolé, j'ai un peu du mal avec ces portails. Je sens que le prochain saut est le bon à okay. Cet humour ultra spécial. On y est, la dimension sombre, c'est par ici. Putain, enfin. Casa del Polo. J'avais à peine à y croire, c'est Nord Chivo, c'était horrible. Décris-moi ce qui s'est passé. J'étais en train de réparer le vélo quand Salvador, vous savez, le Salvador qui a tué Kalka, Kalaka, est apparu. Des gens bizarres accompagnés, un magicien, une dame avec un crâne de chien, un cactus parlant. Attention patron, le dernier n'est pas une marche. Ce suspense me tue encore une fois. Bravo bleu. Quoi? Non, je suis le cerveau et toi les muscles. Silence. Je dois préparer mon monologue. Mais d'abord. Ah, la relique d'or. Bientôt, je pourrai sortir mon Molka GT. Et son côté sacré me donnera de l'or. Tous, tous. J'avais un peu de sauce coincée dans, salsa coincée dans la gorge, mais je suis encore plus fort que jamais. Tous, tous, tous. Tous, 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 tous. La relique d'or, ça me dit rien qui vaille. Après que Salvador a pris la relique, d'étranges choses noires ont commencé à apparaître dans le ciel. Et les squelettes sont de plus en plus fréquents. On va pas se faire de vieux dos, si ça se continue. Oh, te revoilà, Chivo 24. Je ne t'avais pas vu. On était juste. Attends, ne me dis pas que c'est le Juan. Si, c'est le dernier Juan vivant, le Juan dont je te parlais. Il a vaincu Kalaka dans sa dimension. Il a sauvé Lupita et a survécu. Incredible, incredible. C'est lui le Juan? Oui. Très bien, dernier Juan survivant, si tu veux bien t'avancer. As-tu entendu parler des trois reliques légendaires? Non.
Salvador a pris une des trois reliques créées par le dieu du temps. Mais perturber ces reliques pourrait provoquer l'effondrement des dimensions. Les villes des saints de Salvador pourraient bien causer. La fin du Mexivers. Rien que ça. Gloops, gloops, gloops. In Santa Maricain, pas le Mexivers. Juan part à la recherche de Tostada, la gardienne du masque de Los Manglares, dans le marais de Mangrove à l'est. Elle t'aidera à trouver le masque sacré qu'on aura besoin pour arrêter Salvador. Nord, sud, est. Nord, sud, est, ouest. Est, c'est pas là. Ouais, là, c'est pas là. El Umbri versus El Scoloto. C'est moi, ça avait déjà l'air assez bizarre comme endroit de base. C'est moi, je vais mettre une poule dansante. Mais je veux voir les poules, moi. Ah, je vais vraiment magnifique. Sois prudent, jeune homme. Personne n'a survécu ici depuis des années. Rien faire. Hein. Il y a un Juan qui est mort ici, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on me dit pas tout. Une impression, une intuition. Magnifique. Hein. Allez, d'accord, moi non plus, j'ai pas le droit de toucher cette lave eau verte. Les musiques sont toujours aussi magnifiques. Un Chipmunks. Avec ce petit côté latino en même temps. Ce jeu, c'est du caviar. Ah bah voilà. Juan. Juan, c'est vraiment toi? Ce vieux bouc d'Iwao Chivo a réussi. C'est toi, Tostada, gardienne du masque. C'est moi, Tostada, gardienne du masque, tu te souviens de moi? Ça fait vraiment bizarre de te revoir. Jolie moustache au fait, quelle épaisseur. Elle était si près de vaincre Kalaka dans cette dimension, Juan. Je jure qu'on ne fera pas la même erreur avec Salvador. Qu'avec Salvador. Reste immobile et ferme les yeux, ça ne prendra qu'une seconde. Elle va me retransformer en héros. What? Quoi, elle m'a frappé? Les poules. Yeah, c'est mon masque. Je suis tellement désolé de t'avoir tué. Je vais t'envoyer dans le monde des morts. Je vais t'envoyer dans le monde des morts. Enfin bref, regarde, il est un peu abîmé depuis notre dernière aventure. Mais il t'attendait, Juan. Vas-y, avant que je ne te transforme en squelette. Ouais, genre, c'est ce qu'il me faudrait, moi. Tu deviendrais instantanément un beau gosse. Re-résurrection. Ça, c'est le Juan dont je me souvenais, même si la moustache me manque un peu.
Maintenant, il suffit de te renvoyer dans le monde des vivants. Le conseil des Yuawashievo peut t'aider. Tu les trouveras à l'est de Pantabio dans le truc. Allons-y, Rouen. Je suis pas là si t'as besoin de moi. Nord-sud, est-ouest. Donc maintenant, j'ai un deuxième joueur qui peut jouer avec moi. Normalement, je crois que j'ai des attaques fortes maintenant. Calmez-vous les poules là! Ah, en fait, ça change rien quoi! J'adore les ombres, les effets de lumière, c'est... Est-ce que j'ai un jeu que tu peux prendre les ennemis? Trop tard. Tu peux les attraper en fait. Putain, merde. Je vais trop vous montrer. Ouais, tu peux les attraper en les attrapant, ouais, tu peux les balancer. Ouais, c'est pas pratique, mais tu peux les balancer sur d'autres ennemis. Tu peux aussi apprendre des nouveaux mouvements. Lucha. Ah, et là en fait tu peux le prendre et balancer sur un autre ennemi. C'est une mécanique de jeu qui fait pas mal d'ailleurs. Et du coup tu vois tu pouvais le prendre, hop tu le balances sur un autre. Et du coup ça arrête les autres qui te frappent pour l'instant en même temps. Bon mot géant! Ah oui, c'est vrai, il y avait cette sorte d'esquive de danger. En fait, tu commences directement avec tous les. Et du coup, tu peux aussi. Hop! Ah, on peut le cancel maintenant! Ça, c'est cool aussi. Oups. Putain, mais calme-toi, Nounours! Il est tombé. En fait, j'essaie d'avoir un double saut, mais j'en ai pas. Et là, je meurs comme un idiot. Putain, quel con. Faut que je fasse attention à ce putain de truc jaune. Voilà, j'ai lancé sur les deux. Et lui, faut que je fasse attention. Hop, j'ai récupéré un peu d'énergie. Hop, esquive. Quel con, deux fois de suite, putain. Pire, c'est que je peux pas sauter assez haut, c'est ça le comble. Vas-y, Lucha! Wow! Je peux être assommé, mais... Putain, merde! Lucha! Cette fois-ci, je vais faire le perfect, tu vas voir. Oula. Comment il fait son truc, lui? YOLO. Et c'est un Metroidvania au passage, hein. Putain, merde. Elle est encore là, elle. Ah,
Ouais, c'est vraiment le tuto qui t'apprend vraiment. Oula. Bon, je me démerde pas mal, hein. C'est vraiment un jeu envoûtant qui me... Oh putain. Putain. En fait, faut sauter, esquiver, frapper. Hors de question que... Voilà. Je vous laisse avoir par un truc aussi naze. Alors, champ le piège, arrivé. J'ai envie de costume, oui. Ah non, il va pas recommencer. Donc ma montre est restée tranquille pendant... J'ai l'impression qu'à chaque fois que... Oula. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. La dernière fois, pour l'arrêter, je sais plus que j'ai dû faire. D'accord, elle s'est arrêtée toute seule. Je sais même plus ce que j'avais dû faire. Ah ouais, j'ai dû la frapper quand même. Un forcené. C'est une petite montre Game Boy que j'ai en fait. Ah, je me souviens de ça. Ça donne des nouveaux pouvoirs. Juan, Tostada. Je commençais à avoir mal aux fesses à force de me cacher dans cette position. Tu as enfin l'air d'un vrai luchador, Juan. Mais la tenue flashy ne vaut rien si tu as oublié les fondamentaux. Il faudra te refamiliariser avec les bons coups si tu espères affronter Salvador. Au cas où tu auras oublié, les statues de Chuzo détiennent les techniques secrètes ancestrales de Lucha. Celles que tu viens de détruire allègrement contenaient le légendaire coup du coq. Le coup du coq brise des blocs rouges et peut être exécuté en l'air. Mais si tu l'utilises trop, tu vas te fatiguer. C'est ce qui arrive quand on néglige son entraînement. Le coup du coq. Je l'avais pas tout à l'heure d'ailleurs. Le coup du coq. Donc ça y est, je peux faire des coups du coq vers le haut. Ah oui, d'accord. Le coup du coq, c'est aussi ce qui permet de sauter plus haut. Effectivement, on saute pas très trop haut. C'est pour ça qu'ils l'ont limité aussi. Saloperie.
Oui! J'ai bien esquivé. J'ai oublié d'oublier. Putain. Trop bien l'animation de la poule. On se repose un peu, hop, on saute et je pense que je l'ai fait trop tard. Dégage. Bon, moi je vous propose, on va s'arrêter là. Je pense que je vous ai fait un bel aperçu de ce Guacamelee 2. On peut jouer à 4 visiblement. Putain, on peut jouer à 4 à ce Guacamelee, c'est génial. Quoi? Pourquoi je peux plus esquiver? J'aurais dû m'arrêter là, vraiment. Et vous voyez, c'est là où on voit le côté Metroidvania, c'est que là, je vais pouvoir ouvrir d'autres portes où je suis pas encore passé, tout simplement. Juste parce que maintenant, je peux casser ces trucs rouges. Enfin, maintenant que j'ai le coup vers le haut rouge, je peux monter plus haut. Et du coup, voilà, je vais être dans la salle qui est au-dessus. Et voilà, on va avoir des trucs à... Putain. J'en ai marre, je me trompe en fait entre le coup de pied, le coup de poing et... Il y en a partout. Ouais, ça va pas le faire. Je vais mourir. Voilà. Au moins, c'est réglé. Voilà. Normalement, les guacamelees, ça sauvegarde tout le temps en temps réel. Normalement, t'arrives au dernier point de checkpoint que t'as eu. Donc, moi, là, le dernier que j'ai eu, c'est... On se rappelle tous, hein, il est là. Il est là, voilà, mon point de checkpoint. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à chez Otaku et à besoin d'Otaku.fr. Un excellent jeu, surtout vous pouvez jouer à deux avec les deux Joy-Con. Je pense qu'on peut jouer avec un seul Joy-Con aussi. Ça reste assez simple à jouer. Franchement, c'est très très agréable et... Ben voilà, c'est une belle surprise de retrouver Guacamelee sur Nintendo Switch. Comme quoi, c'est une petite console qui regroupe les grands jeux indés. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à tous les autres coups, et à bientôt sur Dragon.fr. Ciao, ciao!